Bonjour, Émile-Henri Mac, la ferme du Coucou à Cassel. Aujourd'hui, c'est vrai que le métier d'agriculteur, c'est un peu évident parce qu'on subit également tout ce qui est des animaux de marché, pareil du conseil municipal, parce que la subvention qui est quand même dans la commune est très importante. Donc, un grand merci. Comme je vous expliquais précédemment, du fait de la défection des deux autres animaux de la section, donc automatiquement cet animal se retrouve premier dans le Bonjour, Émile-Henri Mac, la ferme du Coucou à Cassel. Donc ici, nous sommes avec Wah, vache de la race rouge flamande, donc qui a été élue grande championne du concours La Maïfest 2023. Et donc du coup, la race rouge flamande, c'est en quelques mots, une race qui produit environ 7000 litres de lait par lactation, avec des taux légèrement supérieurs à la moyenne. Et c'est une race qui est rustique, donc
elle va coûter moins cher en frais vétérinaires et avoir une meilleure longévité, ce qui fait qu'on a choisi cette race par rapport à une autre race, les races les plus connues, quoi. Donc on peut comparer le rameau de la race rouge, donc en France c'est la rouge laitière, et en Belgique on a le rameau de la race rouge, mais qui est plus un rameau viande. On a aussi chez vous, vous avez des élevages de rouge aussi encore en lait, mais ils sont moins nombreux. Donc la race était considérée comme race à faible effectif, et donc du coup, pour éviter l'extinction de la race, nous sommes aidés par plusieurs partenaires comme le département du Nord et du Pas-de-Calais, la région des Hauts-de-France, mais aussi le centre de ressources régionales génétiques. Ensuite, il y a différents partenaires comme le CIA Gène Diffusion. Et donc du coup, ce sont tous des partenaires, j'en oublie sûrement, mais ce sont tous des partenaires qui sans eux et sans les éleveurs passionnés qui sont mes parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, il n'y aurait plus cette race. Et donc du coup, donc voilà.